Voilà, nous bénissons le Seigneur, donc, et c'est bon de vous retrouver donc tous là où vous êtes, n'importe quel endroit de la planète, pour écouter la merveilleuse parole de Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui vent, feu et foule. Voilà, donc si vous voulez bien, on va prendre un passage classique de la parole de Dieu que nous connaissons presque par cœur. Nous allons le relire et cela concerne ce qui est arrivé donc lors de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Alors on va lire chapitre Actes des Apôtres, chapitre 2 et au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, soudainement, il vint du ciel. Notez l'origine, un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons lire un peu plus loin, hein, où il est dit, donc au verset 12, « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? » Hein, qu'est-ce que c'est ? Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, 9h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la joie qui est la nôtre d'entendre les merveilleuses paroles qui sortent de ta bouche, car l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nourris nos cœurs, nous sommes tes brebis, assoiffés, Seigneur. Nous avons eu, Seigneur, tant de misère dans ce monde, ce vieux monde salé qui a fait monter à nos yeux des morceaux de sel par des larmes que ont coulé comme des ruisseaux. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux et celles qui entendent ce message, que nous puissions trouver, Seigneur, ces ruisseaux paisibles, comme la Bible le dit au psaume 23, tu nous conduis vers des ruisseaux paisibles. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Vent, feu et foule. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance de Dieu dans ce monde en train de mourir. Nous sommes dans les derniers soubresauts, amen, de l'agonie de notre vieille planète Terre. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu a fait le jour de la Pentecôte, eh bien, c'est quelque chose de puissant et je dirais de dramatique. Alléluia. Il y a eu tout d'abord donc quelque chose qui avait été promis. J'aimerais vous ramener donc quelques semaines avant que cet événement n'arrive, lorsque Jésus, à quelques heures de, je dirais, de sa crucifixion, a rassemblé ses disciples et leur a parlé de son départ. Il leur a parlé donc de ce qui allait lui arriver. Il a institué la Sainte Cène. Il a parlé de son corps qui allait être brisé. Il a parlé de son
sang qui allait être versé. Et il leur a dit, je m'en vais. Ils l'ont regardé. Ils étaient étonnés. Il leur a parlé de son départ, voyez. Et alors, leur cœur a été troublé. Et Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus a vu donc, je dirais, ce mouvement intérieur dans leurs entrailles spirituelles et il les a consolés. Il leur a dit, non, que votre cœur ne se trouble pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit, mais il y en a. Et Jésus a vu, évidemment, donc le désarroi. Je ne sais pas si vous avez vécu le départ de quelqu'un en train de mourir à l'hôpital, à un de vos bien-aimés, un mari, une épouse, une maman, un papa. Évidemment, donc, cela est traumatisant parce que vous savez que dans quelques heures, la personne ne sera plus, évidemment, avec vous. La personne va décéder. Et imaginez donc ces disciples, ils écoutent de toutes leurs oreilles ce que Jésus est en train de leur dire dans ce temps donc où ils sont ensemble, un temps de réclusion. Et à un moment donné, les choses étaient, je dirais, tellement précieuses et intimes que Jésus a dévoilé le traître, a dévoilé Judas pour qu'il ne puisse pas, évidemment, participer à des choses aussi saintes, aussi belles que, évidemment, donc, ce que le Seigneur était en train de dire à ses disciples. Et donc, voyant donc, le désarroi, tu t'en vas, mais on ne sait pas où tu vas, tout ça. Hein. C'était des gens simples, c'était des gens pas compliqués, ce n'étaient pas des intellectuels. Ils n'avaient pas de téléphone, d'iPod, d'Internet, ainsi de suite. Hein. Donc, c'était vraiment... Jésus leur dit, je vais mourir, je m'en vais. Voyez. Et là, donc, ils sont vraiment, vraiment troublés. Et donc, Jésus essaye de les calmer. Et Thomas va dire, on ne sait pas où tu vas, on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas du tout. Et là, c'est là que Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas, je suis le chemin. Ah, je suis le chemin, c'est ça, je ne sais pas si ça a dû les consoler un peu plus, mais là, au travers de la conversation, eh bien, Jésus va leur dire, je vais vous envoyer quelqu'un comme moi, et ils se sentent orphelins, ils se sentent vraiment comme un orphelin qui va perdre quelqu'un. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans, ils ont marché avec lui, ils ont couché à côté de lui, ils ont été témoins de miracles, de résurrection, de mort. Ils avaient tout quitté. Et maintenant c'est Jésus qui les quitte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout ça. Et voyant, évidemment, donc, sous ces inquiétudes dans leur cœur, Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Ah, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, là, ils écoutent encore plus attentivement et il va leur dire, « Je vais vous envoyer l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. » Et cet esprit qui est avec vous, eh bien, il va être en vous. Imaginez. Ils écoutent, évidemment, donc, hein, et en plus, Jésus leur dit, cela va vous être avantageux. Avantageux? Mais comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a... on a le top, on a la cerise sur le sundae, on a la fraise sur le gâteau, on a Jésus, on a le top niveau, tout ça. Et tu dis que c'est mieux, que c'est avantageux que tu t'en ailles et que le Saint-Esprit vienne. Et là, j'aimerais justement ce soir qu'on puisse réfléchir sur cela. Jésus leur a dit, dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la puissance. Et s'il y a une chose aujourd'hui dans l'Église a besoin chaque chrétien, c'est de force, de puissance, de dynamisme,
c'est l'origine, la racine du mot, hein, donc, dynamis, puissance, qui a fait dynamite aussi en français, le nom, donc, le dynamisme, hein, quelqu'un de dynamique. Hein, donc, Jésus leur dit, vous allez être dynamique. Vous allez être rempli de vie, je m'en vais, mais je vais vous envoyer mon remplaçant, mon vicaire, vicarius en latin. Hein, le vicaire de Christ n'est pas le pape, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui remplace Jésus ici-bas sur cette terre. Et quand Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire, ce mot « autre », voyez, il y a différents termes en grec pour le mot « autre ». Mais le mot que Jésus a utilisé en grec, c'est « allos », qui veut dire « un autre, mais un autre comme moi, de la même nature que moi ». Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus parle d'envoyer le Saint-Esprit, il va leur envoyer Dieu, le Saint-Esprit. Pas une force, hein, la force de Dieu, il va envoyer la personne de Dieu, le Saint-Esprit, à l'intérieur de ses cœurs troublés, ses cœurs orphelins, ses cœurs qui avaient besoin de réconfort, et qui avait besoin, donc, de soutien. Et cela est arrivé, donc, à la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte où, officiellement, le ciel a ouvert ses fenêtres. Alléluia. Du haut de ses balcons, Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui a été répandu. Répandu sur 120 personnes. Et ce que Dieu a fait cette journée-là est quelque chose de puissant. Souvent, on le lit, mais c'est comme des pneus usés. Vous voyez, on ne s'arrête pas dessus. Et j'aimerais mettre des pneus neufs, vous voyez, sur ce passage pour bien s'agripper dans les glaces, je dirais, de ce monde dans lequel nous devons rouler. Et là, il y a eu donc du vin. Il est dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Le vent est le symbole biblique du Saint-Esprit. Et ce n'était pas donc une petite brise qui a soufflé cette journée-là, mais une véritable tempête. C'est un miracle parce qu'il n'y avait pas de vent à l'extérieur spécialement. Mais la Bible dit que c'était comme un vent impétueux. Donc un bruit de vent. Le vent, on ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3. Mais tu en entends le bruit. Et là, on voit que Dieu s'est manifesté donc à la Pentecôte par ce vent impétueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vent violent, un vent très fort. Et ce que, je dirais, beaucoup d'entre nous avons besoin hein, aujourd'hui, c'est un vent très fort. Un vent fort. Pourquoi? Pour souffler sur toutes nos poussières, sur toutes nos ordures, sur toutes nos saletés, sur toutes nos bêtises, sur toutes nos poubelles, nos détritus et nos sottises. Amen. Et toutes ces choses, parfois, ont été accumulées dans nos vies. Hein. Alors, il faut les faire partir, ou du moins, il faut qu'elles partent. Il faut les éparpiller et les emporter, autant en emportera le vent. Amen. Alléluia. La Bible dit, faites mourir par l'esprit les actions du corps. Pour mener une vie dans l'esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit uniquement que l'on peut faire mourir les péchés. Voyez, faites mourir par l'Esprit les actions, les mauvaises actions du corps.
il y a plusieurs chrétiens, aujourd'hui plusieurs églises, qui ont besoin de la visite, je dirais, du cyclone du Saint-Esprit, le typhon, alléluia, du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et vous savez, nous avons besoin, je dirais, chacun d'entre nous actuellement, parce qu'il faut bien regarder, parce que ce qui est en train d'arriver chaque jour, sommes conscients que nous arrivons quelque part. Hein, ça ne peut pas durer, vitam aeternam, ça ne peut pas durer, je dirais, très très longtemps, des siècles encore, comme cela. Tout est en train donc de s'écrouler, et nous lisons la Bible, nous regardons les nouvelles du jour, et nous voyons que tout s'imbrique exactement selon ce que ce vieux livre a déclaré. Ce livre est le livre le plus moderne que nous avons entre les mains. La parole de Dieu, le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. Nous avons besoin d'une rénovation, des rénovations dans notre vie spirituelle, rénovation majeure, je dirais, de nos vies spirituelles. Pas uniquement réarranger le mobilier, non, non, non. Pas uniquement redisposer les meubles d'une autre façon dans notre vie spirituelle, non. On a besoin d'une rénovation. On a besoin du Saint-Esprit. Prions pour que le vent du Saint-Esprit souffle sur nous. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Lève-toi, Aquilon, c'est un vent. Lève-toi, Autan, c'est un autre genre de vent, soufflé sur mon jardin. » Ça veut dire que nous avons besoin du vent de l'Esprit. Et que le vent de l'Esprit souffle sur le jardin que nous sommes. Il y a des épines, il y a des choses qui sont accumulées, il y a des mauvaises habitudes, il y a des péchés qui sont câlinés. On a besoin d'agir fermement avec toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Cantique des Cantiques continue en disant, en demandant à ces vents de se lever, que les parfums s'en exhalent, les parfums du jardin. Et nous avons besoin, évidemment, d'être parfumés du Seigneur, de garder le bon parfum, et non pas le parfum rassis, le parfum, je dirais, méchant, puant, du péché et de ce monde. Hein. C'est Ézéchiel qui un jour a prié, et il a dit, « Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Alléluia. On est fatigué de ces gens, de ces souffleurs qui viennent dans les églises, souffle sur les gens, crache sur les gens. Il y en a qui se remplissent la bouche en Afrique, ils boivent de l'eau, et puis ces pasteurs, ils crachent sur la face des gens, ils viennent en avant les uns pour les autres pour se faire cracher sur le visage pour recevoir une bénédiction. N'importe quoi, c'est des insensés, c'est des fous, c'est des faux prophètes, voyez. Et là, nous avons besoin, les autres qui viennent, ils soufflent, ils prennent une veste, hein, et puis ils jettent ça sur la foule, et 500 personnes tombent par terre. On est fatigué, on est tanné, tous ces gens-là, vous voyez, ce que nous voulons, c'est le véritable bruit d'en haut, alléluia, gloire au Seigneur. Hein, et nous avons besoin, évidemment, donc, de dire, comme Ézéchiel l'a dit, Esprit de Dieu, viens, des quatre vents, alléluia, viens, souffle sur ma vie, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent, alléluia. Et il a vu sous ses yeux un cimetière avec des milliers de cadavres et de squelettes, amen, qui sont placés les uns côté des autres, soudain sont mis debout. On commence à bouger, à marcher, la peau a commencé à croître, et c'était une armée, une immense armée. Notre Dieu est capable d'apporter la vie là où il y a la mort. Amen. Le Seigneur est tout-puissant, et nous avons besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas faire de miracles, uniquement Dieu peut faire des miracles. Alors Seigneur, envoie le Saint-Esprit, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles dans les cœurs, pour que premièrement l'Église soit nettoyée et prête à revêtir sa robe blanche avec sa lampe remplie d'huile allumée pour attendre l'époux qui va venir la chercher. Alléluia. Merci Seigneur. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44. Le Seigneur a promis de répandre son esprit. Et Jésus un jour a gravi les marches du temple à Jérusalem. Et soudain, alors que la foule le regardait qui était en bas au pied, il a crié fortement. Et sa voix retentit au travers des bâtisses du temple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Imaginez, venez à moi, venez à moi. Et Jean ajoute, Jésus parlait
De quoi ? Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia ! Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la mort, c'est le désastre, c'est la sécheresse, c'est le désert, ce sont les serpents, ce sont les scorpions, ce sont les buissons. Nous avons besoin de pâturages verdâtres, on a besoin d'eau tranquille, on a besoin de ruisseaux rafraîchissants où notre âme se désaltérera à la véritable source divine. Alléluia, merci Seigneur. Quelqu'un a-t-il soif ce soir ? Amen. Si quelqu'un a soif, moi j'ai soif. Moi j'ai soif. Alléluia. Je suis insatisfait. Alléluia. Et je veux être satisfait. Je veux plus du Seigneur. On chante plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. On peut mettre des barrières au Seigneur. On peut mettre des stops à notre croissance spirituelle si nous le désirons. Alors que Dieu ne met aucune barrière. On peut grandir continuellement. Alléluia. Et peut-être nous grandirons éternellement dans la connaissance de ce Sauveur merveilleux. Alléluia. Esprit de Dieu, viens, souffle sur nos vies. Alléluia. Un jour, David devait aller à la bataille. Et à chaque fois qu'il partait en bataille contre ses ennemis, il demandait la direction au Seigneur. Il ne se fiait pas sur, je dirais, le modus operandi du Seigneur la dernière fois. À chaque fois, il avait besoin d'aller vers le Seigneur. Une fois, le Seigneur lui disait d'aller à droite. Une autre fois, le Seigneur lui disait, tu vas aller prendre à revers. Une autre fois, le Seigneur agissait autrement. Alors, il y a un jour, le Seigneur a aveuglé les armées ennemies. Et ils ont pensé qu'il y avait de l'eau immense. C'était le soleil qui se levait. Alors, il y a toutes sortes de choses que le Seigneur est capable de faire. Amen. Il y a quelqu'un qui a... Quand j'étais à l'école publique, à l'époque, à quelqu'un qui avait écrit un livre, « Ton Dieu est trop petit ». Mais c'était un livre merveilleux, un livre qui défiait évidemment donc les chrétiens. « Ton Dieu est bien trop petit. Ton Dieu est trop petit. » Notre Dieu est grand. Il est capable d'accomplir ce que nous ne pensons pas, ce que nous n'envisageons même pas. Il est un Dieu de gloire, un Dieu au-delà, alléluia, de ce que nous pensons, imaginons et croyons. Et dans Éphésiens 3:20, il est déclaré que Dieu peut faire. Le verbe pouvoir, ça veut dire qu'il a la puissance au-delà. Au-delà, bien plus que tout ce que nous pensons, imaginons ou même croyons, à lui soit la gloire. Et alors que David, dans une bataille, se préparait, le Seigneur, il a prié Dieu, il a demandé conseil au Seigneur, et le Seigneur lui a dit, écoute bien, quand tu vas entendre un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre les Philistins. Alors tiens-toi près du mûrier. Alléluia. Et quand il a entendu, normalement on entend ça par terre, il a entendu ça en haut, dans l'arbre, en haut de l'arbre, dans le mûrier. Et David a dit, c'est l'Éternel. Il s'en vient. Alléluia. Et il marche devant moi pour vaincre ces Philistins. Et il a vaincu. Notre Dieu a toutes sortes de façons et de manières. Mais il me semble que j'entends actuellement, les pas dans la cime des mûriers, les pas du Seigneur qui s'en vient pour chercher son Église sur la planète Terre. Il revient, il sera un voleur et vient voler son Église. Alléluia, gloire à Dieu, j'attends le voleur céleste. Amen. Ce voleur, amen, qui a un V majuscule comme victoire. Alléluia, merci Seigneur. Imaginez que d'un instant à l'autre, nous allons passer d'ici-bas, triste, morose, vallée de pleurs et de larmes, dans un lieu chez nous, dans la gloire éternelle, où il y a des millions et des millions de demeures célestes, où les fleurs ne fanent pas, où les oiseaux chantent éternellement. Alléluia, et on loue le Seigneur avec une joie renouvelée. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le vin, symbole biblique du Saint-Esprit. Il y a eu aussi un autre événement sur le feu. Il y a eu 120 flammes séparées les unes des autres. Ce n'est pas un seul feu, c'est des grandes flammes qui sont descendues et sont venues se placer sur toutes ces personnes-là. Donc 120 flammes, imaginez, encore là, symbole du Saint-Esprit.
feu, symbole du Saint-Esprit. Il est dit que ces langues de feu se formèrent ce jour-là, donc hein, au-dessus de ces 120 têtes, et j'imagine descendir et les remplir de la tête aux pieds, ce vase de poussière, et, comme Daniel nous l'a dit tout à l'heure, bien leur vase a été rempli de feu. Merci Seigneur. Et c'était des hommes et des femmes qui ont été remplis là, pas seulement pour les apôtres, Dieu a visité chaque croyant parce que tous avaient besoin de puissance pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie individuelle. Jésus avait dit, vous recevrez, ça veut dire qu'ils ne l'avaient pas. Vous allez recevoir, vous allez recevoir, vous allez acquérir, voyez, de la puissance, de la dynamite, de la dynamique, alléluia, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, voilà la promesse et la réalisation de la promesse. Ils furent tous, T-O-U-S, tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière comme pasteur, c'est que tout le monde, quand on sort à main de ce lieu, soit rempli à déborder de la puissance du Saint-Esprit. Qu'il n'y en ait pas un seul, une seule, amen, qui soit sèche, sec, alléluia, mais que tout le monde soit abreuvé, irrigué par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, le feu, alléluia, pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est dit qu'il se passa quelque chose de miraculeux. Ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire qu'ils se sont exprimés selon le Saint-Esprit. Alléluia. Donc des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ces langues d'extase donc coulaient évidemment donc de ces 120 cœurs, de ces gens ordinaires, et donc cela a été identifié, le langage, par les visiteurs qui étaient venus de partout, de tout le bassin méditerranéen, donc pour la fête juive de la Pentecôte. Et le résultat immédiat de leur baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'ils ont commencé à faire quelque chose que normalement ils ne pouvaient pas faire. Voyez, ils ont commencé à parler ces langues. Ils ne sont pas allés à l'école des langues, voyez, pour apprendre. Ça leur a été donné miraculeusement. Hein, et comme tous ces gens-là qui étaient autour d'eux, évidemment, donc, étaient dans différents pays, hein, et ils avaient donc des langues différentes, tout en parlant hébreu, ils avaient la langue de leur pays, donc ils la connaissaient. Et les apôtres, donc, ont parlé comme cela, hein, miraculeusement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans les langues de ces visiteurs à Jérusalem. Donc, par son esprit, Dieu a fait en sorte que des hommes et des femmes très ordinaires fassent et disent des choses au-delà de leur capacité naturelle. Alléluia. Si vous attendez juste à faire ce que vous pouvez faire, vous êtes dans la troisième classe, voyez. Dieu est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire le miracle. Le miracle de Dieu, c'est ce que l'Église vit depuis 2000 ans. L'Église vit de miracles. La véritable Église avance par bond et par saut à cause de miracles que Dieu lui accorde. Alléluia. Il y a, évidemment, pour se parler en langue, que ces 120 ont eu cette journée-là, aucune explication naturelle, aucune explication humaine. Hein, le jour où vous pourrez expliquer un miracle, ça ne sera plus un miracle. Amen. Un miracle est miraculeux. Lazare était en train de pourrir dans le tombeau depuis 4 jours, et voilà que maintenant, Jésus mange à table et les apôtres avec lui. Il est bien vivant, le sang lui tourne dans les veines, tout ça, il a les pommettes rouges, tout ça, il est plein de vie. Comment expliquer ça? Vous voyez, inexplicable, sauf que Jésus, le Créateur des cieux et de l'univers, a parlé et a dit « Lazare, sors !» Alléluia. Et ils ont vu,
et ils ont vu et vécu quelque chose. J'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là cette journée-là de voir, alléluia, l'avant et l'après. Amen. Amen. Ça aurait été merveilleux de voir l'enterrement et de voir ensuite donc la fin de l'enterrement. Vous voyez. Donc merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Aucune explication naturelle, humaine, donc le jour de la Pentecôte. Jésus a bien dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, ça c'est un miracle. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, pas pour s'enorgueillir, mais par connaissance, déclare aux Corinthiens, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, lui aussi, Paul, avait reçu cela. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. » Et les gens à Jérusalem, donc, alors que ceux qui parlaient ne savaient pas ce qu'ils disaient, ceux qui les entendaient comprenaient très bien ce qu'ils disaient. Que disaient-ils? C'est écrit dans le texte, les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous parlez en langue, vous dites les merveilles de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelque chose de formidable. Hein? Et on sait particulièrement que l'histoire de chaque homme, chaque femme, chaque église, qui a été grandement utilisée par le Seigneur, puissamment, pour sa gloire, eh bien, ça a toujours été des gens enflammés pour Dieu. Toujours. Toujours des gens enflammés, bouillants pour le Seigneur. Et on sait que cette expérience qu'ils ont vécue, eh bien, a aussi impacté, affecté tous ceux qui étaient autour d'eux. Hein. Vous savez que Dieu a la capacité de nous élever au-dessus de nous-mêmes. Il a la capacité de nous élever au-delà de nous-mêmes. Amen. Sinon, où serions-nous tous aujourd'hui? Vous voyez, il nous a élevés, nous faisons partie de l'Église. Amen. Nous sommes des miracles ambulants. Alléluia. Un miracle continuel. Les païens doivent voir ce miracle sous leurs yeux continuellement, au travail, à l'usine, dans la rue, à l'épicerie. Nous sommes des miracles, voyez. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Et donc, c'est le moyen avec lequel le Seigneur a dit, eh bien, le Saint-Esprit convaincra le monde. Raison pour laquelle, quand vous allez quelque part et que les gens vous fuient ou s'éloignent, c'est parce que le Saint-Esprit qui est en vous, voyez, fait un travail de conviction au travers de vous. Des fois, on n'a même pas besoin de parler. C'est spirituel. C'est quelque chose de formidable. Le Seigneur veut nous utiliser bien plus que nous ne le pensons. Être rempli de l'Esprit, c'est quelque chose de formidable et dont nous avons absolument besoin dans ces derniers jours. Vous savez, aujourd'hui, on a de très bons pasteurs dans différents endroits, mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école biblique, par exemple. Ils n'ont jamais eu l'occasion de faire des études systématiques dans la Bible, mais cependant, Dieu les a appelés au ministère, et c'est en faisant donc l'œuvre pastorale qui continue à apprendre, à continuer donc à connaître Dieu, à être enseigné par le Seigneur. Voyez, il y en a d'autres qui disent, ah, moi, je n'ai pas ce talent, je n'ai pas cette capacité-là. Voyez, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Voyez, le Seigneur a dit un jour dans Ésaïe 58, 14, « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, car la bouche de Dieu a parlé. » Si la bouche de Dieu parle, voyez, vous êtes certain que la première partie de la promesse va s'accomplir. « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Dans Deutéronome 32, 12 et 13, il est dit « L'Éternel seul a conduit son peuple, et avec lui il n'y avait aucun dieu étranger, et il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. » Alléluia. Notre Dieu est capable de nous faire monter sur les hauteurs du pays. Amen. Dans les lieux élevés de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il veut parler, il veut se manifester, il veut encore sauver. Tant que nous sommes sur la terre, Dieu veut sauver.
Dieu veut sauver. Et n'abandonnons pas les manchons de la charrue. Amen. Il faut que nous puissions continuer à faire notre travail. Dans Habacuc 3:19, hein, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Comme les biches, vous voyez des montagnes escarpées, vous dites comment elles peuvent monter là-haut. Mais elles ont des pieds particuliers, vous voyez, qui peuvent escalader, tout ça. Et là, on voit que Habacuc dit, bien Seigneur, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Amen. C'est là que l'on rencontre Dieu, sur la montagne. Nous le chantons, ce cantique. Amen. Hein, sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous donne ses conseils. C'est là que Dieu nous remplit donc de son Saint-Esprit. Hein, avant de passer, je dirais, le guet du Jourdain, exactement comme Moïse, 40 ans auparavant, avait vu la mer Rouge s'ouvrir, eh bien Dieu, avant que Josué donc ne conduise le peuple dans la terre promise avec un miracle de séparation des eaux, là aussi, eh bien Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, pour que tout Israël sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. C'est Dieu qui élève, voyez. Quand vous avez un bonhomme qui veut s'élever lui-même, ça fonctionne pas, ça marche pas, voyez. Parce que plus il monte de lui-même, plus il va retomber bas, voyez. C'est ce qu'avec le Seigneur, étape par étape, voyez, le Seigneur vous tient solidement dans sa main et c'est lui qui va faire le travail. Amen. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'inondera de joie. Se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre cœur. Amen. Souffle sur mon cœur, Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie de l'Esprit. Je veux, amen, on a chanté tout à l'heure, amen, je veux chanter, je veux prier, amen, mais je veux aussi être rempli du Saint-Esprit. Courage, amen. Pourquoi courage? Eh bien, je vous dis courage parce que ces gens sur lesquels le feu, amen, est tombé, c'était des pêcheurs de poissons. C'était des anciens pêcheurs de poissons. Hein. Ce n'était pas des universitaires. Ce n'était pas des gens très élevés dans l'échelle sociétale. Voyez, non, non. Voyez, d'autres les voyaient comme étant des perdants, des losers, hein, comme on dit, selon les standards de ce monde. Mais ces gens-là ont été envahis par Dieu, le Saint-Esprit. Envahis, amen. Seigneur, envahis-moi. Seigneur, plonge-moi, inonde-moi, Seigneur, dans tes eaux vives. Alléluia. Ils ont été envahis par Dieu et ils ont été élevés dans des sphères, dans des domaines étonnants. Alléluia. Dans le domaine du miracle. Et si vous relisez le début de l'Église, en lisant les Actes des Apôtres, vous allez tomber page après page sur des miracles, miracle après miracle après miracle. On les mettait en prison, pas de problème, les anges venaient, ils sortaient de prison. Voyez, on leur interdisait de parler au nom de Jésus. Quelle puissance, ils étaient remplis de l'Esprit. Ces gens qui auparavant étaient derrière des portes barrées, derrière tout ça, font pas trop de bruit. Est-ce que quelqu'un, hey, Thomas, t'as entendu un bruit dans la rue? Ils auraient eu peur d'une souris, voyez. Mais là, maintenant, alors là, quel changement! Ils sortent de la chambre haute, ils descendent, dévalent les escaliers et ils parlent au nom de Jésus. Ils parlent en langue, mais ils parlent aussi en langage commun. Et Pierre va élever la voix, donc là, rempli du Saint-Esprit. Est-ce le même bonhomme, lui qui a trahi Jésus devant une petite bonne femme? Eh bien oui, le Seigneur donne une deuxième chance. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu de merveilles. Alléluia. Et là, on voit que ces gens qui auparavant argumentaient pour savoir hey « Hé Jésus, c'est qui le plus grand entre nous, là, tout ça? C'est qui aura la plus belle couronne là-haut dans le ciel ?» ainsi de suite, vous voyez. Ils se chamaillaient. Une bonne maman est venue vers Jésus. « Jésus, mes deux fils, que voilà, ça serait bien, Jésus,
tu les mettais un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans le ciel. On voit, c'est vraiment charnel, vraiment sentimental. Donc, c'était des gens comme cela. Et ils avaient, certains avaient renié Jésus, avaient totalement renié, donc c'est l'apôtre Pierre. D'autres ont douté à la résurrection du Seigneur Jésus. Ils se sont demandé ce que c'est vraiment lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu dans Marc 16, mais il a dit, mais certains eurent des doutes. Vous voyez? Certains eurent des doutes. Et j'ai dit, c'est bien moi, touchez-moi, vous voyez, mes mains, mon corps. Regardez les trous dans mes mains. Vous voulez regarder les trous dans mes pieds? Je peux même, vous pouvez passer votre main sous ma robe, et puis là, vous verrez, il y a un trou dans ma poitrine. C'est bien moi. Ils pensaient voir un fantôme. Mais c'est sur ces gens-là que le Saint-Esprit est tombé. Ça nous donne beaucoup de chance. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton Dieu ne soit pas trop petit. Amen. Notre Dieu est grand. Alléluia. Et voilà que maintenant, tous ces gens-là ont été rattrapés par le ciel même et utilisés pour déclarer les merveilles de Dieu. Les païens ont dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'on ne peut pas expliquer un miracle, alors il y a les moqueurs. Il y en a certains qui sont arrivés dans la foule, on dit, mais non, ils sont remplis de vin, ils sont sous. Et c'est là que l'apôtre Pierre a dû leur dire, non, vous avez vu le soleil? Vous voyez, il n'est pas très haut, on est juste à 9h du matin. Et les gens ne se saoulent pas à 9h du matin, vous voyez. Ils saoulent peut-être à milieu d'après-midi, peut-être en soirée, la nuit surtout, mais pas à 9h du matin, vous voyez. Mais c'est le Saint-Esprit. Pierre a parlé, voyez. Pierre a pointé son doigt. Il n'a plus aucune peur. Il ne craint même pas la mort. Il ne craint même pas les autorités religieuses qui lui ont interdit de parler au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Impossible, voyez. Alléluia, gloire à Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit est plus grand que tous nos échecs. Tous nos échecs. Le diable, il veut nous mettre sous la main et nous dire, tu ne pourras pas, tu ne peux rien faire, t'es trop ceci, t'es trop cela, et ainsi de suite, voyez. C'est un accusateur, voyez. Alors que le Saint-Esprit, si on vient vers lui, oui, on peut avoir des échecs, oui, on peut avoir chuté, oui, on peut même avoir péché, mais on vient vers le Seigneur. Et la Bible dit, si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, alléluia. Et tôt ou tard, nous avons tous péché comme chrétiens, à un endroit ou à un autre, mais nous ne sommes pas restés par terre dans la boue, on s'est relevé, alléluia. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Oui, on va revenir. Oui, on va encore être rempli de l'Esprit de gloire. Oui, Dieu a encore pour nous des choses. Tout n'est pas fini. L'apôtre Pierre n'a pas jeté la serviette. Le Seigneur l'a utilisé. Et il lui a simplement dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Voyez. Et là, le pauvre Pierre, alléluia, évidemment fondant en larmes, je peux le voir, alléluia, n'est pas allé se pendre comme Judas l'a fait, mais au contraire, il a repris les mains, il a remis les mains sur les manchons de la charrue. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, alléluia. Le Saint-Esprit veut nous délivrer de nos complexes d'insuffisance. On se dit, oh, j'ai pas assez de talent, pas assez d'intelligence. Ils se disent, ah ben moi, je viens de tel endroit. Vous savez, quand Nathanaël, quelqu'un lui a dit, Jésus, tu sais, c'est le Sauveur, c'est le Messie, il vient de Nazareth. Nazareth. Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth, en Galilée, là-bas? La Galilée, c'était, lointain, c'était vraiment reculé, on va dire. Voyez. Eh bien, Dieu a choisi, amen, de vivre une partie de sa vie terrestre incarnée à Nazareth. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu viens d'un petit village? Est-ce que tu viens de la Gaspésie? Est-ce que tu viens de la BTB? Est-ce que tu... hein? Alors le Seigneur peut t'utiliser. Il n'y a aucun problème. Oui, tu peux venir de Montréal aussi. Il n'y a pas de problème. N'importe quel endroit. Mais ne faisons pas de complexe par rapport à notre origine ou notre éducation. Parce qu'ils n'avaient même pas d'instruction. Ils n'étaient même pas allés véritablement à l'école. Vous voyez, ils avaient été un peu à la synagogue, tout ça, ils étaient petits, tout ça. Mais ensuite, eh bien, c'était le travail, c'était compagnie de poissons, père et fils, ainsi de suite. Et là, c'était les grosses mains qui puaient le poisson, les écailles, ainsi de suite. Et Dieu s'est servi de ça, vous voyez. On pense que les apôtres, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André, tout ça, on a les cathédrales aujourd'hui de ces noms-là, et on pense que les saints, c'était évidemment des gens avec une auréole autour, c'était mais non, pas du tout. La religion a tout tordu, C'était des hommes comme vous et moi, alléluia, des pêcheurs de poissons pour la plupart, et sans instruction. Donc ça veut dire, il y a de la chance pour toi. Alléluia. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Amen. Et quand ils sont passés devant les gens religieux ont observé quelque chose. Ces gens remplis maintenant du Saint-Esprit, ils les reconnurent pour être des hommes sans instruction, mais d'avoir été avec Jésus. Alléluia. Soyez avec Jésus. Restez à côté de Jésus. Vous savez, dans un troupeau, il y a les brebis qui sont autour du berger. Ces gens n'auront aucun problème. Vous voyez, les loups ne viennent pas à côté du berger pour chercher les brebis. Ce sont celles qui sont loin, celles qui sont proches, je dirais, des barrières et qui sautent la barrière. Vous voyez, ah ! Les loups les prennent. Alors, et le berger est obligé d'aller chercher. Alors, il y a ces brebis qui sont dans la gueule d'un ours ou d'un animal sauvage. Et là, elles ont une patte cassée, tout ça. Il les ramène sur l'épaule. Mais les brebis qui sont proches du berger, pas de problème. Reste proche du berger. Amen. Quand Pierre s'est éloigné, quand il suivait de loin, c'est là qu'il a renié Jésus. Ne suivez jamais de loin. Amen. Soyez comme aujourd'hui, proches. Dans la prière, vous êtes venus pour prier. On va prier. Amen. On va chercher la face de Dieu dans quelques instants. Alléluia. Et le Seigneur va continuer à nous aider. Et je dirais que le Saint-Esprit a l'intention, vous donnez ses intentions, il a l'intention de faire au travers de nous ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Alléluia. Alors, il a besoin de quoi? Le problème, ce n'est pas du tout notre capacité. Pas du tout. Voyez. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas donc de nous sentir capables ou incapables. Pas du tout, voyez. Le problème, c'est notre disponibilité. C'est là que le bât blesse, voyez. Notre disponibilité envers la personne du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est la façon de Dieu pour nous équiper. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, on sait très bien à qui va aller la gloire. La gloire ne peut pas aller à nous, parce qu'on se connaît trop, voyez. Ça ne peut pas venir de nous. Ça ne peut venir que de quelqu'un d'autre qui nous aime et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. La gloire va aller à Jésus. Si c'était notre intelligence, notre intellect, si c'était nos capacités personnelles, si c'était nos talents personnels qui produisaient des résultats spirituels, alors on pourrait se pavaner, s'ergoter, on pourrait se dire « je suis vraiment spécial ». L'orgueil a montré, et on disparaîtrait. Parce que Dieu ne peut pas accepter quelqu'un d'orgueilleux. Jésus est doux et humble et ne peut pas, évidemment, donc, accepter quelqu'un d'orgueilleux. Dans l'Église de Dieu, les chrétiens sont des gens simples, des gens humbles, des gens qui aiment Jésus, voyez, et donc, et c'est comme cela que Dieu veut son Église. Il y a une mauvaise attitude dans beaucoup d'Églises aujourd'hui parce qu'elles sont dirigées sur la base de programmes.
des programmes, voyez. Elles sont dirigées sur la base des talents des hommes. Les talents des hommes, voyez. Plutôt que de manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est autre chose, voyez. Non pas à nous, Seigneur, donne gloire, mais à ton nom. Pas à nous, voyez. Et attention, les hommes et les femmes qui sont utilisés vraiment du Seigneur sont toujours humbles, humbles, parce qu'ils savent où est la véritable source de leur force. Amen. Ils savent très très bien. Vous savez, à Cana, c'est intéressant, à Cana, Jésus a fait le premier miracle qu'il a fait, vous savez, il a changé l'eau en vin. L'eau en vin. Quand ce miracle a eu lieu, comment ce miracle a-t-il eu lieu? Alors, il est dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, la provenance de ce vin, tandis que, à l'opposé, les serviteurs qui avaient puisé l'eau savaient fort bien. L'ordonnateur ne savait pas, c'est-à-dire le gérant de tout ce mariage, tout ça, celui qui, hein, qui avait le rôle donc de gérer cela, ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que ceux qui avaient puisé l'eau le savaient fort bien. Amen. Et quand vous allez au puits, quand vous pliez vos genoux, alléluia, et quand vous allez chercher cette eau du Saint-Esprit, alléluia, et qu'ensuite l'eau, je dirais, sans couleur, ni odeur, voyez, échangée en un liquide coloré, qui a du goût, alléluia, quand votre vie auparavant, qui était sans couleur et sans odeur, a été changée en une vie colorée, joyeuse, que dis-je, abondante, voyez, alors vous le savez, vous le savez. Amen. Vous savez d'où provient la bénédiction. Mais elle ne vient pas de vous, elle vient de quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur. La nuit après le jour de la Pentecôte, imaginez. Imaginez, la nuit tombe sur Jérusalem. 3000 personnes, imaginez, ont été sauvées en cette journée-là. Ils sont passées de l'enfer au ciel. C'est inimaginable, vous voyez. Une seule prédication. Aujourd'hui, il nous faut 3000 prédications pour un sauvé. Vous voyez, à cette époque-là, hein, une prédication, 3000 sauvés. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a prêché. La nuit, après le jour de la Pentecôte, le soleil se couche sur Jérusalem, voyez. Et imaginez Pierre et les autres, se réjouissent, tout ça, parlent, j'imagine, assez tard, et ils s'endorment dans leur lit. Pourquoi? Eh bien, parce que la grâce de Dieu et la puissance du Seigneur s'était révélée bien plus grande que leurs échecs et leurs limitations. Quand Pierre s'est endormi ce soir-là, pensez-vous qu'il a pensé le jour où il a trahi Jésus? Tout cela avait été effacé, pardonné. Alléluia. Ce qu'il pensait, c'était aux 3000 personnes sauvées. Ce qu'il pensait, c'est, Mike, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prêché un message. J'ai récité par cœur Joël chapitre 2, une partie. J'ai récité le psaume 16 quasiment par cœur pour montrer la résurrection de Jésus. Mais tout cela menait. Alléluia. Imaginez, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz, comment vous le direz, à ce moment-là, eh bien, ça vous sera donné à l'heure même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va faire le travail. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'on voit ça dans les autres apôtres, avec l'apôtre Pierre, avec Étienne, avec l'apôtre Paul. Ils sont emmenés parfois en cour de justice. Et là, il y a un message soudain qui sort de leurs lèvres avec la marque et le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alors, vous savez, on peut évidemment passer des heures à préparer un message. Je le fais, il y a plusieurs ici, nous sommes trois, à prêcher la parole de Dieu, nous préparons nos messages. Généralement, moi, j'ai toujours mon titre, mon introduction, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. Avec ça, hein, et on peut fignoler chaque nuance, tout ça. Oh, tiens, il y a un verset qui irait bien là, cet endroit-là, tout ça. Donc, on peut préparer tout ça. Mais s'il y a très peu de temps de prière, ça va tomber flat. Ça sera, oui, c'est bien. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une habileté intellectuelle dans le pupitre. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un art oratoire, savoir comment parler, tout ça. Non. On a besoin de messages, de la parole de Dieu. On a besoin de messages enflammés par le Saint-Esprit, qui ont été préparés dans la prière, qui ont été quasiment, je dirais, bouillis, qui ont été, on demande au Seigneur. Moi, je prépare mes messages, et ensuite, je dis, Seigneur, béni, parce que tu m'as donné ce genre de message. Je dirai peut-être pas la moitié de ce que j'ai à dire, mais ce que j'ai à dire, je veux le dire avec la puissance du Saint-Esprit, pour que mes frères et mes sœurs soient bénis, que mes frères et sœurs soient touchés. Je parlais aujourd'hui à quelqu'un en France qui est à l'école publique, à tout ça, notre école publique, et il me disait, pasteur, des fois on pleure quand vous prêchez la parole de Dieu. La parole de Dieu dévoile tellement de choses dans nos cœurs et nos âmes. Mais je lui dis, c'est pas moi, je vous connais pas, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, et je ne voudrais jamais toucher, je dirais, le moindrement à la gloire du Seigneur, sinon il m'enlèverait bien vite. Donc, on a besoin, évidemment, donc, de ces choses-là. Et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, notre sœur, la femme de Daniel, m'a montré la vieille Bible de son père, son papa qui est décédé, qui était pasteur, prédicateur de l'Évangile, donc pendant un temps à Haïti, et ensuite ici, donc, au Canada. Et je revoyais, il avait exactement la même Bible que moi, vous voyez, le même genre de Bible, ça. Et là, au travers, il y avait des messages, tout ça, écrits, des versets, des pensées, tout ça, comme moi, ici, j'en ai toutes sortes, là. Cela me fait penser, évidemment, à des gens rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est indéfinissable. On n'arrive pas à dire qu'est-ce que c'est exactement, mais on sait quand c'est là et on sait quand ce n'est pas là. Et on a besoin de ce remplissage. Ce remplissage du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ta vie. Amen. On a besoin de ça et que Dieu nous garde. On va prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, d'oindre nos vies. Nous sommes des incapables, Seigneur. Nous ne valons pas grand-chose, Seigneur. Toute la valeur que nous avons, c'est toi qui nous l'as accordée dans ta bonté, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Si nos brebis sont grasses et bien nourries, Seigneur, ce n'est pas à cause de nous, c'est parce que c'est toi qui nous as conduits dans de verts pâturages. Tu ne nous as pas conduits dans le désert pour y mourir. Tu nous as conduits près des eaux paisibles, là où nous sommes rafraîchis, Seigneur. Ce monde n'a rien à nous offrir. Il n'y a aucun fleuve qui y coule. Il n'y a aucune rivière rafraîchissante. Il n'y a que dans ton jardin, dans ta vie de l'esprit, Seigneur, que nous sommes revigorés, que nous sommes renouvelés, que nous sommes rafraîchis. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons ton Saint-Esprit. Accorde-nous-le, Seigneur, en abondance dans ces derniers jours. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit... Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu.